Elle s'appelle Marie-France, elle a tout juste 20 ans. Et elle vient d'épouser un inspecteur des finances, un jeune homme très brillant qui a beaucoup d'espérance. Et depuis son mariage, chacun dit en la voyant: changé. Faut la faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée. Elle s'ennuie tout le jour dans son bel appartement, et pour passer le temps, elle élève dans sa baignoire des têtards. Et le soir, quand son mari est rentré, elle préfère s'enfermer avec ses invertébrés. Bourrée de complexes, elle est dérangée. Il n'y a rien à espérer, il n'y a vraiment qu'à la laisser crever. Tout ça parce qu'elle a épousé un coquelicot déjà fané. Elle s'est inscrite au racing pour y apprendre à nager. Les têtards, tôt ou tard, on finit par l'inspirer. Et là-bas, un beau soir, elle a enfin rencontré un sportif, un master, un costaud bien baraqué. Bourré de complexe, et tout a changé. Car il est venu vivre chez eux, et la coquelicot soudain s'est senti mieux. Ayant repris toute sa vigueur, il a enlevé le maître nageur. Adieu, t'es complexe. Les complexes, elle a changé de sexe.